Là-bas, Meriem Chadid semble avoir adoré mitonner des petits plats. J'ai fait copilote de l'hélicoptère et j'ai bien sûr aussi j'ai fait la cuisine, j'ai fait couscous au kangourou. Mais l'anecdote s'arrête là. En 2006, en Antarctique, Meriem Chadid n'était pas qu'un cordon bleu, c'était surtout la première femme astronome à diriger une expédition au pôle sud. Originaire du Maroc, elle a dû aller à l'encontre d'un parcours tout tracé. Déjà au Maroc, de rêver d'être astronome, c'était pas facile pour mon milieu. Bon, parce que mes parents ils voulaient plutôt que je fasse un métier par défaut. Après des études dans son pays, puis en France, Meriem Chadid, 43 ans, est aujourd'hui astronome à l'université de Sophia Antipolis. Son message de persévérance, elle l'adresse surtout aux jeunes femmes désirant se lancer dans les sciences. Elle ne représente par exemple que 27% des ingénieurs, mais il garde une portée universelle. C'est à force de forger qu'on devient forgeron et il faut vraiment le jour on est en train de mourir dire voilà, j'étais sur Terre et j'ai fait quelque chose pour l'humanité. Et ça c'est extraordinaire, c'est une des meilleures choses qui peuvent nous arriver dans notre vie. Un état d'esprit que les élèves ont apprécié. Et là, elle part de tous ses désavantages pour partir avec quelque chose énorme comme aller sur l'Antarctique. Là, peut-être aller sur Mars plus tard, je trouve ça énorme. En tant que fille, ça m'a donné du courage parce que je me disais un peu, en tant que fille, ça ne doit pas être facile. Pas facile, même si les mentalités évoluent progressivement. L'année prochaine, les organisateurs devraient de nouveau placer la femme au cœur des sciences.